interrompu. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir jeune homme. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est comme ça, c'est la soirée des surprises. Bon, Laurent, je dois avouer que je suis un peu timide, mais ça fait des semaines que j'aimerais bien pouvoir rencontrer Miss France. J'ai cru comprendre. Et j'aimerais bien essayer, je peux m'avancer. Je sais pas trop comment il faut faire, je suis un peu. Mais c'est vous parce que elle a dû répondre dans la petite. C'est vrai. Ah, mais même c'est à moi qu'il faut le demander de toute façon. Oh, carrément, bah je viens. Qu'est-ce que je disais ? Je me rapproche alors. Je suis un peu timide, mais bon voilà, ça fait des semaines que je voulais vous lire. Je peux tutoyer ? Mm-hmm. Que je voulais te lire. Est-ce que tu accepterais de voir un tour de magie ? Volontiers. Ok, cool, regarde, j'ai un écran juste ici. Le public est là depuis le début et est vraiment hyper cool, ils ont l'air hyper sympas. Et j'ai envie qu'on essaye un truc avec eux. Vous avez tous des alliances et des bagues ou pas, le public ? Levez la main pour voir... Tu t'appelles comment ? Charlène. Charlène, est-ce que Charlène, je peux t'emprunter ? Fais voir... Ok, carrément. Ok, super. Elle est hyper. Je vais dire, est-ce que tu viens la mettre dans l'écran ? Ok, super. Tu y tiens à ta bague ? Ok, alors tu peux dire au revoir. Ok, non, je vais venir avec toi et regarde. Ce que je vais faire. En gros, l'idée, c'est que l'écran, c'est un peu une sorte d'indicateur de temps. Par exemple, là, l'écran, si la bague est dans l'écran, on sait qu'on est dans le présent. Si la bague revient sur ton doigt, Charlène, c'est qu'on est dans le futur. Et si elle disparaît, c'est que je suis dans la merde. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Est-ce que tu es droitière, gauchère ? Je suis droitière. Est-ce que tu veux bien prendre l'écran, s'il te plaît ? Avec la main droite ? Ouais, celle que tu veux. Et tu fais en sorte que personne ne s'approche vraiment de cet écran. Ok. Ok. Bilal, je vois que tu es à côté. Oui. Tu voyages beaucoup en ce moment avec l'Eurovision, tu prends beaucoup l'avion. Est-ce que tu pourrais penser la dernière fois, alors que tu as décollé, est-ce que tu as une heure en tête, juste la dernière fois que tu as décollé, sans me le dire, juste est-ce que tu as une heure en tête ? Ouais. Ouais, t'as une heure en tête ? Ouais, j'ai une heure en tête. Genre la dernière fois que tu as décollé, personne ici le sait ? Non, pas ici, non. Ok. Je vais te donner, regarde, tiens, j'ai une feuille et un marqueur. Hop là, tiens, je te les donne. D'accord. Je vais pas le regarder. Je vais reculer, est-ce que tu peux l'écrire en grand ? Ok, et dès que c'est fait, tu froisses, je veux pas regarder. Ah. Bah, tu vois, tu regardes pas. Non, promis, je regarde pas. Vraiment, tu le froisses bien. Ah, t'es du matin. Et je vais récupérer du coup le papier, la prédiction. Est-ce que tu peux me le faire passer, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, Michel. Et regardez, si on se concentre juste là, regardez. Oh. Il se passe des trucs hyper étranges sur le plateau, on est d'accord ? Regardez. Si on vient et que juste on ouvre cette boîte. Ah, voilà, avec un petit... avec un canif. Là, on veut tous savoir ce qu'il y a dans le cadeau. Et regardez, on va ouvrir comme ceci, il y a un autre cadeau à l'intérieur. Sachez que vous êtes impatient, mais vraiment, on voit plein. Et juste si on vient comme ceci... Est-ce que Laurent voulait bien ouvrir ? Bien sûr. C'est quoi le cadeau ? Une montre. Juste Bilal, c'était à quelle heure tu as pris l'avion la dernière fois ? Je peux le dire ? Ouais. Midi 15. Non, vous n'allez pas y croire parce que regardez, elle a arrêté sur une et une seule heure. Midi 15. C'est ça ? Vraiment sur midi 15 ? Ah oui. Mais elle ne fonctionne plus. On voit, elle ne fonctionne plus. Ça veut dire que pour la... si elle ne fonctionne plus, il faut peut-être changer les piles. Est-ce que Laurent voulait bien mettre la main comme ceci ? Et regardez. Juste si je fais ça. Il y a une bague et une alliance, si on peut regarder. C'est la bague de la Est-ce que Charlène, tu peux la récupérer ? C'est exactement ton alliance. Tu peux la prendre. C'est ton alliance. Merci beaucoup. Merci. La boîte. Tu peux regarder. Et là, alors ? Tu peux regarder ? Et regarde. Ah, oh, cool. Il n'y a plus de bague. D'accord. Il n'y a plus juste de bague. Michel, vous pouvez fouiller, servir d'huissier. Il n'y a plus de bague. Bravo à Maxime Tabar. Son spectacle s'appelle Maxime Magique. C'est ça, rien n'est impossible. C'est ça. Il est en tournée dans toute la France et il passera chez vous, par exemple, merci. Le 15 mai prochain à Décines, près de Lyon. Merci à vous, bravo Maxime. Merci. Au revoir. Au toboggan à Décines. Moi, je comprends rien. C'est ça qui est formidable. Vous aussi, ça vous énerve ? Mais j'en fais souvent sur les plateaux et à chaque fois, je suis scotché. Ben oui, on comprend rien, Michel. Et c'est le plus jeune de tous. Ah oui, c'est le Benjamin des magiciens. 19 ans.